Chers amis téléspectateurs, je vous salue cordialement. Je suis très très heureux aujourd'hui de pouvoir recevoir sur ce plateau du studio Ngoma Vidéo ici à Bienne en Suisse l'un de nos artistes d'origine congolaise et de nationalité congolaise qui s'appelle Freddy Mayala. Freddy Mayala nous fait l'honneur de pouvoir venir sur ce plateau pour présenter, pour pouvoir parler de son prochain album qui sort dans quelques temps, au mois de janvier, début janvier. Et donc actuellement, Freddy Mayala, il est en plein préparatif de cette sortie. Et donc nous allons prendre le temps de pouvoir parler avec lui de ce travail qui va sortir, du travail qu'il a déjà eu à faire dans le passé, des projets éventuels qu'il peut avoir, et puis d'autres choses aussi qui peuvent tenir à cœur. Freddy Mayala, bonsoir. Bonsoir, papa Eric. Alors, toi, là, c'est vraiment à quoi on a plateau, Oyo, à chaud comme ça, Sangoboni. Oui, par la grâce de Dieu, qui m'est allé. Ok, alors, au Salibiso Honneur, Ndenga a plateau, Oyo, Oyo, mon côté, Oyo, na maman, na moana. Donc, au saut, la peine à maman, on pas aux a occasion qu'on intervienne de temps à autre, mais pour commencer. Bonsoir maman. Nabengi maman, c'est mieux peut-être que Opesa Combo se présenter par rapport à la situation de Tozaninango. Donc, je me présente, je m'appelle Nana Swaminu, mais mes amis me connaissent sous le nom de Kerem. Ok. Alors, comme j'ai dit en introduction, Tosangani Awa, Tokutani Awa, pour Nakuluba, un peu sur le disque qui va sortir. Vous en avez un travail oui, au Salaki pendant un certain nombre de temps. Travail au Anésu quand même quelques mois. C'est qu'enfin, Moussala Sili et Moussala Ilingé Bima. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à Moussala Wana? Avant tout, quand on a un détail. Par rapport à Moussalawana, merci papa Eric la question oyo Tony. Nabike ils ont facilité pour réaliser et loco oyo babengi album. Ils ont des choses album ils ont branché vraiment sur les plans spirituels. Donc ils ont et loco recevoir de la part de Dieu et pour mettre en œuvre pour l'édification y a église qui est corps du Christ. Donc, il y a des étapes où il y a toujours. Mais il y a des paroles et lobby. Donc, même si dans les vallées de l'ombre de la mort, nous craignons aucun mal. Car sa houlette et son bâton nous rassurent. Donc, tellement tout en la rassurance, où il y a des mots qui sont en Zambé, il y a des gens qui sont malades et qui sont malades. Ok, alors je crois que ils a le Kakubombate, bah extrait, voire même bah clip entier, il y a Moussa Kobima, ils a déjà sur les réseaux sociaux, hein, bah Moussa déjà, c'est peut-être stratégie marketing pour essayer qu'on parlait déjà, et donc mais Moussa Kobima, et vous allez exactement Nenge Oyo les réseaux sociaux. Alors je voudrais un peu essayer un peu qu'expliciter quelle différence il y aura entre l'image ou Monaki na Oyo aux se préparer à Kobimisa quoi na janvier. Oui, il y a une différence, c'est ma casse. Donc, ce qui est dans un restaurant. Donc, la première phase, c'est la soupe, c'est avant-goût. Donc, avant-goût, ils ont projeté déjà, et l'eau qu'on ils ont le bosso. Donc, ils ont Internet, par-ci, par-là, la publication, le spot, ils ont avant-goût, il y a produit, ils ont koya. Donc, ils ont la finalisation, il y a Wana ezane tinde ba bika ka donc topé ça ka avant goût donc na ba point ebélé za na kati wana ki na kati ba point ebélé o ezali vraiment ke ba tété ba point sur les yeux pour na finition na yango ezala différemment na yebi ke différence ezali vraiment mais na yebi ke ba avant goût ba tout nyonso déjà ba za ko sepela ba kanisi wana déjà ba lié mais ba ke na ba lié té wana ba meki kaka Ok, donc yango ne pene ko sukisa nyonso. Wana vraiment donc so za ina appétit donc otondi. Vraiment. Nga mona na zo ki occasion justement ya ko visionner un peu, ya ko tala un peu ba image ango. J'étais beaucoup félicité.
Donc, c'est tutoyé, hein, tu es banni, donc, Merci, à merci. moins Pas qu'ils de aient, à problème. moins qu'ils aient un problème. Hein. Donc, voilà. J'étais félicité par rapport, justement, Yamoussala par rapport à qualité à son. Hein, c'est vraiment un travail très, très bien fait. Au moins, là, que non, ça a été bien préparé, tu as pris le temps. Moi, je voudrais savoir un peu comment moderne à l'heure où travailler. Hein, comment tu fais pendant qu'on arrive n'a point à pouvoir que sortir Moussa ya Nengwana, ya qualité, ya la musique, ya Nengwana. Quel est un peu planning nayo? Comment tu fais pour arriver à ça, quoi? En tout cas, merci Papa Eric na question. Nayebike ba o bazan na kata domaine nango, o bazan exactitude ba yebi fonctionnement ngo ndenge ezalelaka. On parlait ba o bazan exactitude. Donc parce que ça va opé donc ba le retard na bango o ekoyi ba lokoti ba tia neuf. Et ba o bazan exactitude, c'est-à-dire ba o bazo kozwa et puis bazo mettre en place. Ndenge ba lobby, il appelle des choses inexistantes à l'existence. De ba o bazo ko pour puiser na inexistant. Bazo mettre en existence na parler né na batwana donc ba phase ezebele na mode de travail na ngai ba oyo na environnement na baibi mais studio na sala en Afrique na ki parce que na Kinshasa parce que ils ont un groupe où ils ont vraiment centralisé les sons où ils ont les sons de la trompette où ils ont à Kinshasa on a combien de groupes le son de la Komboya trompette groupe combien de groupes Komboya groupe ok donc où ils ont à Kinshasa mode de travail et bandakana nous tant on a zui na une existence na pétiango na et comme na existence c'est-à-dire na zan équipe pour na travailler na ba texte na routine na Kinshasa ba se préparer na zan un programmeur o ya kota atindelinga par net na meki kota la ceux qui les a convaincus ou bien une retouche après tu travailles na biso na ba mwezala la par net ba correction ba bloc onion soana to sali maquette maquette wana ils allaient avoir même appelé Nazana pianiste Oyo de travailler des fois à maquette la tindil bango aux conception Oyé ah et l'autre on a ngibé beta maboy et puis tellement que ba bi yomoko ou ko kate sengi pe ba aide zala na ba tope bazana miso ya molimo na ba bazama to ya molimo ba yo kaka pe bazo sala mo ba retouche ti na finition to aboutine loko moko na programmer voyage na ke na sali studio na Kinshasa tout na kaka malobaté. Awa, ok, Kinshasa. Et donc, il faut qu'il y ait un peu, il faut essayer un peu d'éclaircir les gens qui suivent, peut-être, bah, comprendre les pénalités. Awa, wapi, Ah, ok, Awa, Kinshasa, yo, siko, yo. Awa, Hein? donc, na vandi a na mboka ya Suisse, Ok. particulièrement na Bienne. Ouais. No, donc, n'est-ce pas travailler Europe et puis en Afrique. Donc, quand je parle de Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Exactement. Donc, ils ont tout bien rassemblé à outil Jérusalem, Nangaïangoana. Ouais. Donc, ils ont un groupe où ils ont vraiment vendu pour na travail wana au bar représentant les sons de la trompette au niveau d'Afrique. Ok. Parce qu'en Europe, après, ils ont une équipe aussi les sons de la trompette au niveau d'Europe. Et puis, ils ont un petit frère, nous sommes en Angola, en Luanda, ils ont les sons de la trompette, ils ont représenté aussi au niveau d'Angola. Ok. Donc, on a travaillé un peu à Dindé-Baba Duplex par rapport à travail. Wana. Ok. Et on a programmé. Quand on a fait voyage, on a travaillé dans le studio, après, on a zongi na produit, où ils ont mixé. Donc, on a fait programmation, studio, et puis mixage. Et ça, là, en Afrique. Mais c'est un choix parce que hein, vous travaillez net multinationale, net bah, société où ils ont un siège par-ci, Oui, par-là. ça. C'est un choix ou bien vous êtes obligé à vous faire un En tout cas, dans l'orientation, c'est vraiment nous avons appelé ça structure Wana. Parce que les équipes Oyo, tout le monde a une source. Les équipes Oyo, il y a un principe dans lequel ça fonctionne. Ok. J'ai essayé une fois de parler, de travailler avec quelques éléments en Europe. Donc, on a Monaki, tous en a même orientation T. Ok. Selon Zambé, on a conservé orientation T dans le marché. Ok. Donc, on a Monaki, on va voir même le langage, façon et la vision, ils ont différemment. Ouais. Donc, il y a Okuna, son accueil, son habit, Robeta, 15 jours, il y a Maki, jeûne et prière, bazar centralisé. Ok. Mais, ah, ouais, Moutoumoussou, soyez, Bissaya, Oazofou, aux amis.
de ya yega kwa beta nae onga na zana batu oyo bazana kati ya masolo wana na kati ya bonzambe ba iba principe nini o esenga kapona kwa butir na eloko o bokomona disela. OK, OK, entre parenthèses, na si peut-être vous avez besoin kama kilele ya mona za kulela ah tout mona za kuluba toloba to sala tolobela ngonengwana Freddy Mayala a yena mama kaka te a epe na mwana. Okay. Donc c'est vraiment pas un dérangement pour Nabiso. Tozo ko solo la mwana pe azako vivre donc neti bana nyoso tout. Et donc c'est là que cela que ça ne gêne personne quoi en fait hein. Donc c'est juste parenthèse. Ndeko kemba pointe antichrist c'est à côté na mangomba. A epe na kopé ki sa adoration. Cosa la telle pour la moisie à Dawini, après qui ça qui est habile la Zambé. Pas magicien, pas mandona. Alors, pour continuer un peu par rapport à Yanné Tobanako Nenge Tobandaki, c'est-à-dire que Yo, ça, Obani Makambo, quand même, depuis un bout de temps. Hein, je crois qu'on a eu l'occasion de retourner, moi, la séquence Mongo Pond a commencé justement publicité à Moussao et Kobima. On l'a dit que, voilà, hein, un peu en deux mots comme ça, que Outina Makambo depuis Bomwana, depuis longtemps, hein, c'est vraiment l'occasion de pouvoir expliciter un peu. Hein, essayer un peu de retracer la phase Yaminé, le point Yaminé, le parcours en go, banda peut-être Bomwana, qui a été mis à l'album à Liboso. Pour les albums à Mibale. Donc, qui a été mis à l'album à Liboso, qui a été mis à l'album à l'album à Mibale. Essaye un peu de nous parler un peu de ce parcours, quoi, éventuellement. Merci, papa Eric, na oyo question tuni sur parcours. Naibiki, ce que nous avons bien explicité, ce que nous avons bien explicité, plus, de quoi là. Donc, j'essaierai un peu. Toi, là, t'as la tête. J'essaierai un peu à quoi énumérer, bah, séquence clé. Exactement. Y a parcours. Exactement. Y a parcours. Exactement. Nazali moko ya bayembi kati na etonga ya kolo ndenge balobi donc nazali chrétien musicien poso na bi musicien chrétien zanete do nazana musicien non nazana nous chrétien donc je suis chrétien musicien donc je suis d'abord premièrement chrétien c'est-à-dire né de nouveau et puis je suis devenu musicien à travers ya ko évangéliser par des cantiques spirituels. Eza musala oye bandi lelote ba o bayebi ba référence e mona flashaka ba o bayebi nga bazo tala bazo se rappeler bazo ye ba déjà dirigeant musu bayebi nga dirigeant parce que na dirigeant ba chorale donc na ba séquence ebele naza oyo na uta na libota cré famille mo chrétienne donc papa na ngai donc fi un pasteur comme on a eu papa Henri Kambolo. OK. Donc naibike ye mutu a quand cadre biso na domaine oyo naibi na parcours na nga je dirigé à l'époque une chorale donc il y a bana 7e trompette. Il y a un bon na lelo donc les sons de la trompette donc l'idéologie et le point d'inspiration c'est daté. Donc chorale à bana wana na zaina âge à 12 ans. Yo na bambula nini plus ou moins. Là j'avais 12 ans. Ouais. Mais ce que Anenin, bon, peut-être ils ont un discret que tout n'a pas mais 12 ans ils ont qui n'a pas en tout cas, on a bah 80, 80, dans les années 80, dans les années 80. Ok. Donc j'ai dirigé déjà une chorale donc à Bananiké. Ouais. Donc on a à l'époque dans l'église à papa et puis tant on a longué na chorale à Bananiké, na longué on habitait en Binza. Dans un cycle d'orientation à Kitambo. OK. Na Kitambo par là, on a intégré dans l'église, on a commis dirigeant ya chorale gospel. La chorale gospel, après on a créé groupe et donc senga qui argumenter ba kilte par louange adoration, on a ko sala skoyo les sons de la trompette au sein de l'église. Na tout les manu wana mamuke na ko sala, c'est-à-dire que yo vous vous sentir une espèce de mission comme ça il y a que ça la bakora oui, oui, parce que vous savez qui a bumwana ok na kitambo sali oui. C'est à dire que c'est comme si
Vous êtes prédestiné ou bien peut-être que vous avez une possibilité, comment ça se passe, comment se fait-il que vous avez toujours... Oui, que ça les allait.